Bonjour, c'est Ronak. Allez, comme promis, je vais vous parler du coffre, du sac d'alchimiste et du convertisseur d'énergie. Donc, pour faire un coffre d'alchimiste, vous vous rappelez les poussières qu'on a utilisées, qu'on a craftées pour faire notre Davernigrod? Eh bien, on va s'en resservir. Alors, en fait, ce qui va nous servir, c'est que j'ai oublié d'aller récupérer la roche qui est en haut en train de fondre. Hop, je vais remettre mon fer pour faire du charbon de bois. Et aïe. Et donc on va s'en servir, ce qui veut dire qu'on va mettre la verte ici, la bleue ciel ici, la bleue foncée ici. Il faut que je prenne du diamant. Cette blague. Ah bah oui, je l'ai pas pris. Voilà, on met un diamant ici, au milieu, un coffre en bas, deux blocs de roche et deux lingots de fer. Et ici, on récupère un coffre, qui est le coffre d'alchimiste, qui comporte ni plus ni moins que 104 emplacements. C'est quand même pas mal comme pour un coffre. Je vais récupérer ma pioche. Et là, ça serait quand même sympa d'avoir un inventaire de cette taille-là. Trouvez pas? Hein? Bon, allez, je vous fais une fleur. Hop, je range ma poudre. Et là, je vous montre qu'en fait, si vous utilisez de la laine, comme ceci, que vous mettez votre coffre en plein milieu, et que au-dessus vous mettez de la poudre bleue, vous allez obtenir un sac. C'est bien. On ouvre l'inventaire. Oh bah, Ronok, tu nous as menti. L'inventaire est pas plus grand. Rectification. Je mets le sac dans la barre d'action, je fais un clic droit. Et là, j'ai mon inventaire. Plus l'inventaire du sac d'alchimiste. Ce qui veut dire que je peux ranger mes objets dans le sac d'alchimiste. Et effectivement, je les aurai constamment sur moi. Le plus magique encore, c'est que, en fait, vous pouvez vous faire autant de sacs que vous voulez, sauf que il va falloir teinter la laine. C'est-à-dire que quand on a fait ici comment dire? Notre cuvette de laine, en fait, hein, quand j'ai posé ici mes morceaux de laine comme ceci, en fait, j'ai mis de la laine blanche. Si vous voulez faire un autre sac, il suffit de mettre, par exemple, si vous faites un sac rouge, vous mettez de la laine rouge, votre coffre d'alchimiste, votre poussière bleue, et vous aurez un sac d'alchimiste rouge. Si vous en faites deux blancs, dans tous les cas, vous ne pourrez, si vous mettez les deux blancs dans votre barre d'action, par exemple, vous ne pourrez, quand vous ferez un clic droit, vous n'aurez qu'un seul inventaire. Même quand vous allez interroger le deuxième, vous aurez toujours le même contenu. L'autre avantage et gros avantage du sac d'alchimiste, c'est si jamais vous mourrez, vous brûlez dans la lave. Allez, cas extrême, vous brûlez dans la lave. Le sac est énorme. Admettons que vous ayez mis effectivement tous vos objets de valeur ou une grosse partie. Vous tombez dans la lave et là vous perdez 104 slots d'objets qui sont à l'intérieur. Eh ben non, pas du tout. En fait, il vous suffit de recrafter un sac de la couleur que vous avez perdue. Par exemple, là, si je meurs, je recrafte un sac blanc. Quand je le remets dans ma barre d'action et que je le réactive, je vais retrouver le contenu de mon sac qui avant ma mort. Ce qui veut dire qu'au final, je n'aurai perdu que le sac et non pas son contenu. Et ça, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Parce que ça nous arrive souvent, enfin, moi ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive effectivement de mourir bêtement dans la lave et de perdre tout mon équipement. Alors, bien sûr, vous allez perdre ce que vous aviez dans votre inventaire, vous allez perdre votre armure et compagnie, mais vous n'allez pas perdre le contenu de votre sac. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est effectivement, je vais me recrafter un coffre. J'ai oublié de me faire fondre de la roche. Et on va se faire. Oui, mais pour faire fondre de la roche, il me faut de la pierre. Et on va se faire le convertisseur d'énergie. À quoi va nous servir le convertisseur d'énergie? Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué avec le Diving Rod, c'est que chaque objet dans Minecraft a une valeur de MC. Ce qui veut dire, par exemple, là, le charbon de bois a une valeur de 32. Ici, ma roche a une valeur de 1. Il a déjà tout pris, lui.
Voilà, il va falloir que je fasse des panneaux solaires. Hop. Le convertisseur d'énergie va vous permettre de récupérer l'énergie de tous les objets qui en possèdent. Ce qui veut dire qu'il va détruire l'objet, mais qui va le transformer, qui va transformer l'objet en énergie en fait. Ni plus ni moins. Là, vous allez me dire, ouais, super, ok, j'ai un stock d'énergie, et après? Eh bien, 2 secondes, je recrafte mon coffre et je vous montre. Et je récupère mes diamants. Et aussi mon coffre. Donc, je me refais un coffre d'alchimiste. Donc, à chaque fois, c'est un diamant, mais bon. Là, vous allez voir que, effectivement, le convertisseur d'énergie, à partir du moment où vous l'avez, suivant de la façon que vous allez l'utiliser, vous avez plus de soucis à vous faire. Donc, une fois que vous êtes crafté votre coffre d'alchimiste, il vous faudra de l'obsidienne que j'ai récupéré moi sur les ogres. Vous placez l'obsidienne dans chaque angle, d'accord? Vous placez votre coffre d'alchimiste au milieu et vous remplissez de diamants. Alors, je sais, c'est cher à crafter. Bon. Oui, c'est cher, en effet. Je vais le poser ici. Voilà. Ici, il nous ouvre une nouvelle interface. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Je vais prendre des pierres. D'accord? Je vais les mettre dans l'inventaire de mon énergie convertisseur. Ok? Et je vais lui dire, par exemple, je prends mon bloc d'oxygène, j'ai besoin d'obsidienne, je place mon bloc d'obsidienne ici, et regardez ce qui se passe. Il va détruire les blocs de pierre, ici on voit notre jauge de MC augmenter, et une fois qu'on aura atteint le nombre de MC nécessaire, ce qui veut dire pour le coup il lui en faut 64, il va créer l'objet, il va dupliquer l'objet, tout simplement. Ce qui veut dire que, effectivement, alors est-ce que je l'utilise pour faire l'obsidienne? En fait, ce que je m'étais donné pour politique de n'utiliser que cet objet justement que pour faire du diamant, pour effectivement les objets d'Equivalent Exchange, et pour le reste des objets, ne pas l'utiliser. Même s'il faut quand même beaucoup d'objets EMC pour. Parce que là, par exemple, pour faire un bloc d'obsidienne, il faut quand même un stack de pierres. Je trouve quand même que c'est. Il arrive un moment où, effectivement, c'est quasiment comme si on passait en mode créatif. Bon, effectivement, il faut quand même aller récolter des ressources. Mais par exemple, là, je vois que mon bloc. Je pourrais très bien transformer mon bloc d'obsidienne, de mon blo deux blocs de bois en un bloc d'obsidienne. Et là, ça va très vite. Voilà. Donc, je pense personnellement que je vais n'utiliser ce système. Allez, je vais peut-être faire une petite entorse et l'utiliser pour faire l'obsidienne, pour faire mon portail dans le Nether, pour qu'on aille faire un petit saut. Et sinon, c'est tout ce que j'utiliserai. C'est-à-dire que si j'ai besoin de fer, si j'ai besoin d'or, si j'ai besoin de minerai ou quoi que ce soit, j'irai le chercher. Ou de tous les cas, j'irai le miner, ce qui veut dire que j'ai quand même ma carrière qui tourne doucement, mais elle tourne. Elle tourne. Oui, elle tourne doucement. Et donc voilà, je ne n'utiliserai pas cet objet monstrueux pour faire les crafts dont j'aurais besoin, parce qu'effectivement, à partir de là, vous n'avez plus quasiment plus besoin. D'aller farmer, en fait, d'aller miner, ni plus ni moins. À partir du moment où vous avez un exemplaire de l'objet désiré, parce que effectivement, là, j'ai demandé de l'obsidienne, mais si je mets du charbon de bois, il me convertit les blocs d'obsidienne en charbon de bois, ni plus ni moins. Alors effectivement, cet objet-là, ça va nous servir exactement. Enfin, ça va nous servir aussi de, on va dire, de poubelle, hein, en fait, toutes les pierres qu'on va récolter, qu'on n'a pas besoin, je vais les placer là-dedans. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les utiliser pour faire pour faire les diamants. Parce que vous verrez que les crafts d'Equivalent Exchange, dès qu'on va commencer à vouloir faire les outils, dès qu'on va vouloir faire les armes, c'est des objets super intéressants, super puissants. Mais le problème qui se passe, c'est que ça demande énormément, mais énormément de diamants.
Je sais plus exactement, je voudrais pas vous dire une bêtise, mais je crois que le torse de la dernière armure, il faut quelque chose comme 1024 diamants. Voilà. Donc concrètement, c'est vrai que là, vous pouvez farmer pendant des jours, enfin, vous pouvez miner pendant des jours pour trouver 1024 diamants, accrochez-vous, quoi. Donc là, je sais pas si j'ai de quoi faire ceci. Non, j'ai pas de quoi parce qu'il faut que j'aille dans le Nether justement. Et là, par exemple, là c'est l'énergie collecteur. À quoi sert l'énergie collecteur? C'est en fait, on va dire, un panneau solaire qui, au lieu de vous fournir de l'électricité, va vous fournir de l'EMC. Et donc, s'il est à côté du convertisseur d'énergie, en fait, il va donner l'énergie. Donc au départ, on va commencer avec effectivement un petit énergie collecteur. Il va transférer doucement, mais ça, je ferai une vidéo pour tout vous expliquer, compagnie. Il va transférer doucement l'énergie l'énergie convertisseur. Et là, du coup, vous n'aurez plus besoin de lui donner d'objets dans l'inventaire. Vous allez collecter, grâce à la lumière, vous allez collecter de l'EMC. Et donc, vous n'aurez plus besoin de mettre de pierre ou quoi que ce soit pour transformer l'EMC, quoi. Sachant qu'il y a quand même plusieurs niveaux, donc déjà quand vous voyez, rien que pour faire un énergie collecteur, il vous faut 9 diamants. Voilà. Et ça, ce n'est que le niveau 1. Après, on a le niveau 2 qui vous demande de saisir, déjà de créer un niveau 1, et ensuite de faire la matière noire. C'est la matière de l'alchimiste, et la matière noire, c'est un bloc de cristal avec de l'essence un peu spéciale. Mais ça, on verra tout ça. Hein, c'est justement pour faire la pierre philosophale. Enfin, il faut qu'on fasse la pierre philosophale, qu'on transforme tout ça. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Pour le coup, il faut que j'aille dans le Nether pour récupérer de la luminite, parce que sinon, je pourrais pas avancer. C'est pareil, là, on a vu la pierre philosophale. La pierre philosophale, effectivement, il me faut pour la faire, pour pouvoir la faire, il me faut aussi de la luminite. Donc, je suis obligé d'aller dans le Nether. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation de prendre 15 blocs de 14 blocs d'obsidienne pour faire le portail, ou est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Bon, en même temps, c'est pas très long. En cas, j'irai chercher la lave et puis je ferai le portail. Ouais, je ferai le portail. Je vais rester dans ma politique, c'est-à-dire de faire ma politique, de n'utiliser que cet outil uniquement pour crafter du diamant. Voilà. C'est la règle de conduite que je vais me fixer de façon à pas parce que je trouve qu'effectivement cet objet est très puissant et très intéressant. Donc je vais récupérer mon bloc parce que celui-là c'est le mien. Je vais mettre un diamant, voilà. Et là vous allez voir que pour faire un diamant, bah bleu. Ah là, on n'a pas avancé. Et là effectivement, il va falloir que je récupère. Bah, ni plus ni moins, là pour de la roche, pour de la pierre comme ça, il vous faut 8192 pierres pour faire un diamant. Voilà. Ni plus ni moins. Donc effectivement, là on voit la jauge d'énergie bah, qui monte doucement et au final on n'aura même pas un diamant avec toutes les pierres qu'on lui a fournies, quoi. Mais voilà, moi je pense que vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je vais rester dans cette règle de conduite, ce qui veut dire de ne l'utiliser uniquement que pour me faire des diamants. Voilà. Ben voilà, une petite vidéo assez courte. Ouais, 14 minutes. Hein. Donc, on aura vu effectivement le coffre d'alchimiste, l'énergie convertisseur, enfin le convertisseur d'énergie, le super sac d'alchimiste, et après, je vous ferai voir encore un truc encore plus puissant. Enfin, pas en tant que sac, mais quelque chose. On verra un peu les bagues. Je pense que de toute façon, je n'aurai pas assez pour le moment. Je crois pas avoir assez de quoi faire ça. Voilà. Donc là, il faut déjà, voilà, pour faire un anneau, l'anneau que je vais vous montrer, il faut 18 diamants, rien que pour faire une seule bague. Voilà. Donc ceci explique cela. Pourquoi je vais utiliser l'énergie convertisseur? Parce que déjà, vous avez vu, 18 diamants, j'ai même pas assez avec le stock que j'ai récupéré. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous n'avez pas bien compris quoi que ce soit en commentaire. Un petit pouce vert, ça serait gentil. Et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.